Safra est une société basée à Albi depuis 1955. Depuis toujours, nous sommes des rénovateurs de matériel, des spécialistes du matériel de transport public urbain. Et depuis 2010, nous avons entrepris de construire un véhicule, un autobus urbain de nouvelle génération à haute performance environnementale. Donc l'autobus Businova à version hydrogène commence à être un vrai succès chez nous. C'est donc un autobus électrique qui, effectivement, avec cet hydrogène, va permettre de faire une longue journée de service. Donc c'est un véhicule qui est facile à opérer et c'est ce qui fait que aujourd'hui les opérateurs et les autorités organisatrices de mobilité sont très intéressés par cette technologie. C'est une technologie électrique, on roule bien en zéro émission. Mais effectivement, de par l'énergie embarquée, on sait faire des longues journées de service. On a ici, en France, en Europe, tous les savoir-faire pour assembler ce type de véhicule. Nous ne sommes pas nombreux sur le marché aujourd'hui. Nous sommes trois Européens à avoir un produit sur le marché. Ça a été 10 ans d'innovation auparavant chez nous pour en arriver là. On a bien l'intention, et c'est notre projet, d'en faire un vrai levier de croissance industrielle. Effectivement, en créant beaucoup d'emplois, Safra aujourd'hui est encore une PME, elle a acquis son statut de constructeur et demain, on va monter en cadence, on va passer à l'échelle et effectivement créer beaucoup d'emplois. C'est bien notre objectif. Quand on aura 1000 véhicules à livrer dans l'année, ça veut dire une entreprise de plus de 2000 personnes. Aujourd'hui, on a des véhicules effectivement qui circulent à Artois-Gohelle, à Versailles, au Mans, bientôt à Auxerre, bientôt à l'aéroport de Toulouse. C'est le début de l'histoire. Il y a une centaine de véhicules qui circulent en Europe sur ces technologies hydrogène. Mais effectivement, on compte beaucoup sur cette technologie qui a plein de vertus parce qu'elle est propre, parce qu'on sait faire de l'hydrogène dans de très bonnes conditions. Je parle d'hydrogène vert, celui qui est fait à partir d'électrolyse de l'eau. Tout ça dans le cadre de la décarbonation de la mobilité est particulièrement intéressant. En termes de souveraineté également, parce qu'effectivement, quand on fait de l'hydrogène, on la produit éventuellement dans son dépôt d'autobus ou alors dans une installation très, très locale, ici en France, derrière des énergies intermittentes, derrière de l'éolien, de l'éolien marin, du solaire. On sait faire ça de manière extrêmement vertueuse. On a des grands acteurs énergéticiens en France, en Europe. On a des grands équipementiers, quelques constructeurs et nous en faisons partie. Voilà un sujet qui pourrait participer à ce qu'on appelle la croissance verte. Et c'est bien notre projet, recréer de l'industrie ici en France. Assurément, oui, et il y a un alignement des planètes assez remarquable d'un point de vue politique. Je parle de l'Union européenne à travers le Green Deal. Je parle de l'État à travers son plan hydrogène et son plan de relance. On est sur des montants tout à fait remarquables. Plus de 7 milliards investis par l'État dans les 10 prochaines années sur cette filière. Je peux parler des régions et notre région Occitanie porte un plan hydrogène ambitieux depuis maintenant quelques années. Madame Delga en était vraiment un précurseur. Puis les agglos, les départements, donc un très fort alignement des planètes, intérêt des citoyens pour ces technologies-là, pour ces enjeux environnementaux, assurément. La qualité de l'air dans la ville est un sujet, le transport public propre est un sujet, la mobilité durable. Globalement, voilà des éléments dont tous les acteurs et tous les citoyens, finalement, ont bien compris les enjeux, les importances.